enfin porté à l'écran une œuvre qui valut la prison à son auteur. L'auteur, Sade. L'œuvre, Les Infortunes de la Vertu. Les Infortunes de la Vertu, c'est l'histoire de Justine. Les Infortunes de la Vertu, c'est tout l'esprit de l'œuvre de Sade. C'est le sadisme, c'est la transformation d'un être humain en objet. Un objet esclave des désirs et des perversités d'un maître. Les Infortunes de la Vertu, c'est un certain 18e siècle, à la fois mystérieux, fascinant, dangereux. Les Infortunes de la Vertu, c'est l'image d'un monde à la fois voluptueux et perverse. De la Vertu, c'est un film audacieux. Audacieux grâce à Sade, grâce à cette audace qui le caractérise et qui lui a permis d'oser s'aventurer si loin, dans des domaines aussi tabous, seul. Les Infortunes de la Vertu, ce sont les infortunes de Justine. Justine, c'est Romina Power. Une histoire brûlante et passionnante, Les Infortunes de la Vertu, tiré de l'œuvre du marquis de Sade.